Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Change de Monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mercredi 11 septembre 2019. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle de Gaïa. Savoir ce que les énergies nous réservent pour la journée de mercredi. Alors on y va. Alors, eh bien, ce sont les énergies, c'est pas fait exprès, mais c'est la même qu'hier, donc c'est toujours, on sent des énergies de magie en ce moment, et d'ouverture en fait sur soi-même, puisqu'on nous dit encore une fois je vous montre, hein, entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi, ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Alors c'est vrai que les énergies peuvent circuler sur un jour, deux jours, trois jours. Donc aujourd'hui, on nous dit encore de rester dans cette magie et de s'ouvrir à son pouvoir personnel, parce qu'en chacun de nous, on a un petit peu de magie dans toutes les œuvres que l'on fait tous les jours. Voilà, c'est bien fait exprès, hein. La carte a sauté tout de suite. Donc je pense qu'on est vraiment dans une énergie très positive de magie ces jours-ci. Alors, on va prendre une carte aussi du petit oracle des couleurs, comme tous les jours. Et bien, ça saute aussi. Et bien, on reste dans la magie. Alors, j'allais avec vous, cette fois-ci, c'est la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Voilà, on est vraiment dans cette énergie magicienne. Alors, on va essayer d'en profiter un maximum. Alors, on va essayer de profiter de cette magie pour, atteindre nos objectifs ou faire ce qu'on a vraiment envie, se sonder vraiment intérieurement et puis prendre le temps de se poser, d'observer la magie qui nous entoure et puis celle qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir après mettre en œuvre notre pouvoir personnel. Voilà, c'est un peu les messages de la journée. Alors, on va continuer à faire le tirage du jour, donc on va prendre l'oracle G. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage sur 9 cartes. On va changer un peu. On va voir ce que nous disent les énergies pour la journée de demain, mercredi 11 septembre 2019. Alors, on nous parle de fidélité aujourd'hui, de la fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin d'une amitié, la fin de la fidélité ou peut-être deux cartes dissociées, ça n'est qu'une coupe, hein, donc ça peut être... la fin de quelque chose et l'envie d'aller vers autre chose. Hein, on va voir peut-être dans le tirage ce que ça dit. Mais en tout cas, il y a des énergies de fidélité autour de nous pour cette journée de mercredi. Donc, on va voir. Alors... voilà. Alors, on va tirer 9 cartes. Pour voir un peu ce qu'elles nous disent aujourd'hui. Voilà. Alors, aujourd'hui, on part dans le médical. Alors, ça peut concerner
Une ambiance, ça peut concerner quelqu'un qui se trouve, des personnes qui se trouvent dans le médical, qui travaillent dans le médical, ou peut-être des personnes qui ont besoin de visite chez le médecin. Enfin, en tout cas, on va être entouré d'énergie plutôt, peut-être de guérison. Non, on ne sait pas. Ça peut être aussi dans ce sens-là qu'on peut prendre. On va retourner autour. Alors, on nous parle de sexualité, on nous parle un petit peu d'isolement. La carte qui revient, donc la fin de quelque chose. Le cadeau, la femme, le tour, le lion et les réjouissances. Alors, on va voir ce que ça fait. A priori, ça peut concerner, évidemment, comme c'est un tirage général, ça peut concerner plein de personnes sur des choses, des axes différents. Donc là, on a des réjouissances. On va voir en recouvrant quelles sont peut-être les réjouissances. Certains vont pouvoir fêter quelque chose, peut-être le début d'une relation, hein, pourquoi pas. Certains vont s'en retrouver justement renforcés. Après, on peut, pour d'autres, ça peut peut-être être justement le contraire, la fin d'une relation. Hein, voilà, on ne sait pas. On va voir ça avec les cartes qui vont recouvrir. Un petit peu un sentiment d'isolement peut-être par rapport à ça. En tout cas, on nous dit d'y aller étape par étape. Hein, voilà, ça peut concerner, si vous êtes une femme brune, ça peut vous concerner. Ou alors peut-être que dans votre entourage, vous avez une femme brune qui pourrait correspondre à ce qui est dit sur ce tirage. On nous parle aussi de cadeaux. Hein, donc peut-être que c'est la rupture de quelque chose qui était toxique, nocif pour nous et qui pourrait être considéré comme un cadeau. Donc on va continuer le tirage, voir ce qui se dit. Alors pour certains, je sens que l'idée d'être en couple, c'est quelque chose qui est vraiment présente. On sent que c'est un besoin chez ces personnes, hein, pour peut-être s'enlever de la solitude peut-être. On sent que c'est quelque chose qui est important. Hein. Voilà, on sent que c'est vraiment bien, bien ancré chez cette personne et qu'elle est vraiment à la recherche. Alors ça peut correspondre à quelqu'un qui est vraiment à la recherche, qui se sent un peu seul, qui est à la recherche de quelqu'un d'autre. Hein. Alors pour certains, dans les relations, il peut y avoir peut-être des tensions, notamment pour ceux qui pourraient justement arrêter une relation pour cause de peut-être de froideur ou peut-être d'un événement qui s'est passé cet hiver et qui aurait peut-être créé des tensions dans le couple. Voilà, et qui nous ferait peut-être se sentir un peu seul. Voilà, ça pourrait être ça. En tout cas, on parle de la fin de quelque chose, mais en même temps, on sent bien que c'est quelque chose qui va être nécessaire, hein, parce que c'est quelque chose qui nous tourmentait et qui était présent dans nos pensées. Donc peut-être que il y avait une sorte de stérilité dans cette relation qui n'aboutissait à rien peut-être et du coup d'où peut-être le besoin de s'en séparer peut-être. Voilà, on peut l'interpréter comme ça. On va voir après s'il y a des concordances avec le reste. Là, ça peut effectivement se rejoindre dans le sens où de temps en temps ça peut tellement nous tracasser en fait, hein, que on se sent un peu mal, voilà, on est un petit peu dans on a besoin de cette guérison. Alors peut-être que ça veut dire qu'effectivement on commence à ressentir ce besoin de guérir par rapport à cette relation. Alors évidemment ça ne peut pas concerner tout le monde, je rassure ceux qui m'écoutent, c'est pas forcément c'est pas pour tout le monde, hein. Prenez vraiment tout le temps ce qui résonne en vous, parce que effectivement, c'est un tirage général. Alors, on parle aussi de réjouissance. Hein, donc, peut-être que pour certains, ils auront réussi à trouver effectivement un équilibre
et ça les amènera à une certaine transformation. Alors peut-être que c'est cette nouvelle rencontre qui va faire que l'équilibre va être trouvé et la personne va arriver à se transformer. Voilà, hein, ça peut vouloir dire ça. Donc on va voir ce que donne le cadeau. Alors on parle encore de fidélité. Hein. C'est marrant, les deux cartes reviennent, les deux cartes de coupe. On nous parle de quelque chose qui redémarre en fait, mais qui redémarre sur de meilleures bases, comme si c'était un nouveau cadeau. C'est ça, c'est-à-dire que on retrouve peut-être dans cette nouvelle relation, on retrouve peut-être quelqu'un qui était peut-être plus fidèle, avec qui on arrive à se transformer, on arrive à être vraiment soi-même. Oui, j'ai l'impression que ça parle de ça. Et du coup, on considérait plutôt cette vision comme positive, puisque on la considérait comme plutôt comme un cadeau. On va voir. En tout cas, on a de la force. Demain, on a de la force pour affronter tout ça. Et peut-être qu'on va l'affronter avec la maturité. On parle encore d'équilibre, de... Là, peut-être qu'on pèse le pour et le contre, savoir si vraiment on est dans... On est peut-être dans le doute encore. Malgré tout, on est content, mais en même temps, on est dans le doute, alors qu'on est en pleine transformation, en fait. Et là, finalement, on s'aperçoit que en prenant les choses étape par étape, eh bien, on arrive à un certain équilibre, peut-être une certaine maturité dans la relation. Et voilà, on s'aperçoit que c'est plutôt bénéfique. Alors, je sens pour certains qu'il pourrait y avoir des petites tensions au niveau du foyer. Un certain sentiment d'isolement par rapport à une certaine froideur dans la communication, dans les relations, hein. Donc peut-être des choses qui sont on a peut-être envie d'avancer plus vite qu'il ne faudrait, mais du coup ça crée quelques tensions, ça. C'est possible pour certains. Alors peut-être que pour certains, je dirais que dans le foyer, peut-être ce qui est important pour certains d'entre vous, c'est peut-être d'avoir un certain équilibre dans les finances et peut-être qu'il y aurait certaines tensions à ce niveau-là, au niveau des finances. Peut-être qu'il y aurait de la méfiance par rapport à des dépenses imprévues, peut-être, à un équilibre qu'on aurait du mal à trouver. Alors, peut-être on sent quelqu'un qui, dans le couple, d'un côté, qui est plutôt assez mature, assez fort au niveau finance. Et puis, de l'autre côté, peut-être... Alors, bon, là, il y a la femme. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la femme qui dépense l'argent. Hein. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, dans le couple, il y a une personne, comme c'est un tirage général, ça peut être l'homme ou la femme, qui aurait tendance à être plus indépendante à ce niveau-là, qui prendrait les choses peut-être un peu mieux et qui, du coup, ça ferait quelques petites tensions. Il y en a un qui serait un peu plus économe et l'autre un peu plus dépensier. Donc, du coup, ça créerait quelques tensions. Voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, je vois que il y aurait peut-être... Un projet d'achat de maison, pourquoi pas, d'achat d'habitation en tout cas. Alors pareil, toujours un petit peu de tension autour de ça. Hein. Pas forcément une affaire qui se ferait d'ailleurs, c'est pas évident à première vue. En tout cas, dans le foyer, on sent des énergies autour de l'argent, autour des dépenses. Donc, soit des dépenses
des dépenses banales, soit des dépenses autour d'un achat immobilier ou peut-être d'un commerce qu'on a ensemble, peut-être au niveau d'un couple. C'est possible aussi. Bon, voilà. En tout cas, pour demain, les énergies sont un petit peu. J'ai l'impression que c'est plus le côté couple, côté sentimental, côté rencontre, côté. Voilà, on essaye de trouver un bien-être dans les relations qu'on a avec les autres. Hein, et puis, donc, il y a des relations qui peuvent se terminer parce qu'on ne trouve plus son compte et parce qu'on trouve que ben voilà, ça ne sert à rien de continuer. Mais en même temps, on accepte et on prend ça comme un cadeau. Après, il y a d'autres personnes qui pourraient effectivement faire une rencontre. Voilà, et puis passer en fait d'un état qui serait plutôt seul à un état à se transformer ensemble et puis à faire un couple qui pourrait devenir équilibré et stable. Voilà. Et puis ben, d'autres qui sont peut-être en couple et qui auraient donc d'autres soucis et qui seraient plutôt dans des énergies de finances. Hein, on songe plutôt à des achats, à des dépenses. Hein, voilà. Donc tout ça, on a l'impression que c'est des choses qui nous transforment en tout cas. C'est des choses qui nous amènent en fait à penser différemment et du coup à guérir peut-être de blessures qu'on avait. Par rapport à avant. Je vois qu'on fait des efforts en fait. On met tout en œuvre pour pouvoir justement avancer et puis guérir de ce qu'on a à guérir. Voilà pour l'oracle G. Alors. On va juste essayer de voir. Avec les chakras du cœur, les énergies sentimentales pour demain. Oula, il y a des cartes qui sautent. Eh bien, on va les prendre si elles sautent. Alors, là, on nous parle peut-être de personnes. Qui se seraient rencontrés par un moyen de télécommunication. Alors, ça, vous allez me dire, c'est pas un scoop, hein, parce qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment, quand tout va vite, on se rencontre souvent par ce moyen, en fait. Alors, soit c'est fait, c'est une rencontre qui a eu lieu déjà, et dont il faut apparemment s'éloigner, hein, parce qu'elle nous apporterait peut-être plus ce qu'on a besoin. Pour d'autres, c'est peut-être dans le futur, hein, une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un. Alors, moyen de télécommunication, hein, ça passe aussi par les écrits, hein, par la lettre. Hein, c'est pas forcément par le téléphone ou l'ordinateur. On sent quand même qu'elle a, y a un poids de, y a un poids sur cette rencontre, en fait. Soit parce que effectivement c'est quelqu'un qui à la limite ne serait pas un des deux n'est pas libre et ressent le poids de la famille, ou alors peut-être que c'est une relation qui est difficile parce que c'est peut-être une famille recomposée, donc du coup il y a la famille qui est là et il faut faire avec et c'est pas tous les jours facile. Alors là on nous conseille de s'éloigner. Alors s'éloigner, ça ne veut pas forcément dire s'éloigner définitivement, ça peut vouloir dire aussi prendre du recul par rapport à cette rencontre et puis analyser un petit peu l'évolution qu'on pourrait donner à cette relation, à cette rencontre si elle est déjà faite ou celle qu'on vient juste d'avoir. Voilà, hein. Donc voilà, on nous demande d'être un petit peu sur nos gardes, on va dire. Voilà, ça pourrait être une rencontre qui se concrétise. Hein, et y a pas de, voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver et qui pourrait très bien évoluer positivement. Mais on sent derrière quand même qu'il y a
le poids de la famille qui est là. Hein. Donc, y a peut-être des petits obstacles. Donc, on nous demande soit, bah, écoutez, selon vos ressentis et peut-être si vous vous sentez concerné par ça, bien, vous agirez selon votre cœur. De vous éloigner de cette situation, en tout cas définitivement ou temporairement, selon ce que vous voulez faire et selon comment évolue la situation. Voilà pour le chakra du cœur. On va tirer les trois cartes pour la mission de vie. Alors, plutôt pour le professionnel. Et ensuite, on finira par des petits conseils. Oh. Alors, eh ben, ça saute. Alors là, on est plutôt avec des personnes qui seraient plutôt dans une énergie de rêve, c'est-à-dire c'est des personnes qui auraient plutôt un karma du tout est possible en fait. Avec ces personnes, c'est vraiment, on sent qu'ils ont envie de faire plein de choses. Et la carte nous dit bien en fait, voilà, comme s'ils voulaient atteindre la lune en fait, et dans leur tête en fait ils ont plein d'idées, c'est des personnes qui fourmillent d'idées, ils sont toujours toujours à droite, à gauche, voilà, et ça concerne plutôt ces personnes, on sent plus cette énergie en fait, ou alors ça veut peut-être dire aussi qu'en ce moment les énergies nous donnent l'impression d'avoir envie d'être à droite, à gauche, toujours en mouvement, d'où les déplacements, hein, toujours envie de se retrouver ailleurs, de vouloir poursuivre ses rêves. Voilà, on a des rêves peut-être, comme on voit là, hein, des rêves plein la tête, et puis on a envie de les réaliser. Alors pour ça, on va se déplacer, on va même déplacer des montagnes s'il faut, hein. Mais en même temps, on sent que quelque part, on est aidé. Hein, on n'est pas seul sur cette histoire. Hein, les énergies nous montrent que voilà, il faut vraiment observer le merveilleux à l'œuvre, de ne pas avoir peur de ce qui sommeille en nous, hein, pour ouvrir son pouvoir personnel. Donc, on est un peu dans ces énergies-là, dans cette magie en fait, de dire. Moi, j'ai des choses plein la tête et j'ai envie de les réaliser. Alors bon, et finalement, ben, on n'a pas l'impression d'être tout seul. On a l'impression qu'il y a des gens qui pensent comme nous et qu'on va pouvoir réaliser des choses avec d'autres personnes, s'ouvrir aux autres en tout cas, pour avoir des aides extérieures. Hein, voilà, et là, c'est ce que nous dit en fait cette carte. Hein. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Voilà, on prend le temps de regarder autour de soi pour voir si effectivement... comment est animé le monde, comment tourne le monde, comment les gens réagissent et pouvoir rentrer en même temps dans ces énergies de transformation, ces énergies un peu de rêve, de magie, pour pouvoir arriver à nos objectifs. Voilà, ça nous parle de ça aujourd'hui. Donc le mercredi 11 septembre 2019, c'est une journée qui va révolutionner la magie dans le monde et qui va nous faire progresser à pas de géant. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle des fées pour voir le conseil qu'elles vont nous donner, parce qu'elles sont plusieurs, ces fées, qu'elles vont nous donner donc pour la journée de mercredi. Alors, en général, les fées sont toujours de bons conseils. Je ne sais pas si elles vont nous révéler la magie pour demain, mais c'est toujours des conseils... en général, qui sont bienvenus et très positifs. Wow! Eh bien, on va prendre celle-là. Alors, c'est drôle parce que vraiment, on est toujours dans ces énergies de départ en fait, hein, comme si on voulait quitter des situations, comme si on voulait se transformer, changer un peu notre quotidien. Là, les fées nous disent partez, hein, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Tout à l'heure, on a vu dans l'oracle G, hein, effectivement, que
il y avait la fin d'une situation, la fin d'une relation peut-être, ou la fin en tout cas d'une situation qui ne nous convient plus, et qu'il fallait faire ce qu'il fallait pour quitter cette situation malsaine. Et là, les faits nous confirment ça, hein, qu'il faut effectivement essayer de quitter cette situation pour pouvoir profiter de ce qui s'ouvre à nous et surtout des nouvelles portes. Hein, c'est toujours pareil, donc voilà. On revient à ça. Prenez le temps d'observer la magie qui anime le monde pour pouvoir avancer, hein, et puis ouvrir son pouvoir personnel. Voilà, on est vraiment dans ces énergies de transformation et d'évolution. Hein, voilà. On essaye de quitter des situations qui ne nous conviennent plus. On prend le temps de voir ce qui se passe ailleurs et de ne pas se renfermer sur notre situation pour pouvoir s'ouvrir et voir les opportunités qui peuvent rentrer dans notre vie et quitter ce qui est malsain pour aller vers le petit cadeau qu'on a vu tout à l'heure, hein, des relations ou en tout cas une situation beaucoup plus saine. Voilà, on va juste tirer donc une dernière carte. Alors c'est un très bel oracle qui s'appelle « J'ouvre mes ailes ». C'est l'oracle de la transformation. Donc justement, comme on est dans des énergies de transformation et d'évolution, on va prendre un petit conseil. Un petit conseil pour la journée de demain, mercredi. En septembre, allez, celle-là dépasse, on va la prendre. Les frontières. Alors, on nous conseille de bien occuper son territoire. J'espère que vous voyez bien. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez-vous. Voilà, ça fait partie des cartes des frontières, donc ça veut dire qu'il faut essayer de mettre des frontières. On est toujours dans la même mouvance. Là, aujourd'hui, pour la journée de demain, on nous demande de prendre place, de prendre sa place et de savoir ce qu'on a vraiment envie et de quitter tout ce qui ne nous convient plus et de mettre des barrières en fait autour de nous, pour pouvoir délimiter un territoire dans lequel on va évoluer sereinement et positivement. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner à la chaîne si vous désirez suivre mes futures vidéos, parce qu'il y en aura d'autres. Et puis du coup, je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Voilà, au revoir.